gonna go to Washington, place I never have gone before. This. Salut à tous! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, ce matin il est très tôt. Pourquoi? Parce que nous allons chercher quelque chose de précieux pour nous. C'est quoi, Jérémy? Très précieux. Nous allons chercher nos coussins. Ah. Oh là là, je suis trop content. Ouais, je suis trop franchement, content. Ça fait une semaine qu'on est rentré, une semaine qu'on dort pas très bien parce qu'on dort sur la chauffeuse, c'est pas terrible. Ouais. Et là, hier, on a reçu un texto, vos coussins sont prêts. Ni deux, nous avons sauté dans le camion et en avant, Guingamp. Donc là, il est très tôt, il est quelle heure? 8h? 8h30? Ah, c'est quoi ces vieilles expressions que j'ai, moi, en ce moment? Ouais, grave. Du coup, 8h30, là, on trace parce que les petits dorment encore. Il y a Mamie Momo qui les surveille. Et du coup... Avec un fouet. C'est parti. Allez, on vous emmène là-bas chercher nos coussins. Bah, bien, à la belle couture. On t'emmène, je suis vivant, mais je voudrais... Ouais, on est trop excités. Que tu te rappelles, mon amour est éternellement... Arrête, droit d'auteur. Avec moi, c'est impossible. Allez, à tout à l'heure pour les coussins. Ils vont même me mettre un procès parce que je l'ai foiré la chanson. Grave. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Oh, encore du gris. Est-ce qu'on va être bien? C'est vrai. C'est petit comparé à Captain. Ah ouais, ils sont bien fermes et tout. Voilà, nous, on est à l'entreprise La Belle Couture, vous savez, on a déjà travaillé avec eux, avec Captain. On en était super contents, donc forcément, on recommence avec Martin. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on va poser les coussins, on a encore la planche en bois qui fait 10 cm et ça fait pas très beau. Du coup, Jérémy va faire un système sur une planche de bois et puis un petit bout de mousse. Et comme ça, ça fera une genre de petite tête de lit en fait. Donc nickel, là on attend parce qu'il manque un petit bout de tissu et après c'est parti. C'est pas chiant toi. Voilà, ça y est, c'est bon, regardez. Je suis en train de mettre une vidéo en ligne, la vidéo de mercredi, et Charlotte, ça y est, elle est au taquet là, elle enlève tous ses vieux coussins, ça y est, c'est fini chouchou. On va plus dormir sur ses coussins. C'est trop génial. Je finis mettre la vidéo et on essaye les coussins, non? Tu vas maintenant toi en fait? Bah ouais. Toi, t'es au taquet toi. Bon bah je reste là alors. Je reste avec vous. Non, ça c'est juste une protection, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les alaises. Et normalement on a les quatre mêmes, c'est ça chouchou si je dis pas de bêtises? Chouette, ils sont chouettes, hein. Fermetures. Ouais. Les fermetures sont vraiment... Oh là là. C'est vraiment beau, putain. Regardez ça, les détails. Bah, de toute façon, La Belle Couture, voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est tous les mêmes tailles, du coup. On en avait fait toutes les mêmes tailles. Et c'est pour ça qu'on va faire des genres de têtes de lit en haut, qui seront fixes. Parce qu'on s'était dit, comme ça, on se prend pas la tête. On a juste à les caler. Et basta. Hein, peu importe le dossier, là, si, c'est la même dureté. On veut mettre en lit, on met les quatre. Déjà, ça passe en large. Ça passe? Nickel. Oh là là, et le stress, regardez. Le stress. C'est parfait. Je sais pas si c'est La Belle Couture ou si c'est nous. Je sais pas si c'est La Belle Couture qui a trop bien travaillé ou si c'est nous qui avons trop bien pris les cotes ou alors c'est les deux. Attends. On a l'impression qu'il passe pas, t'as vu? Mais peut-être que j'ai prévu un petit peu en marge, pour être sûr. Ouais, c'est ça. Vas-y, serre. C'est exactement ce que j'avais prévu. Un tout petit peu de marche pour que ce soit bien serré. Voilà. Si tu forces pas trop? Non. Non, ça va? Nickel. Alors? Oh putain. C'est bien? Comment tu coupes là que je dorme? Et faire ta petite sieste? Non mais sérieusement? C'est bien? Attends, faut que je teste. On a été acheter des petites couvertures normales pour les protéger. C'est le même tissu mais en plus foncé. Et en gris. Ouais, il avait plus en clair, mais c'est pas grave, enfoncé, ça sera très bien. Oh là là! Oh, c'est trop bien! Oh là 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 là, on va bien dormir, hein? Oh, on va super bien dormir! J'ai déjà hâte d'être ce soir. Ah ouais, c'est clair! Ah, vous savez pas, ça, c'est un truc qui est super important de bien dormir, d'avoir des nuits réparatrices. Et là, elles étaient pas réparatrices, hein?
Hein, pas trop. Compliqué. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Il manque le petit oreiller. Ouais, il manque l'oreiller. Et oh, tu dors pas, hein? Et en train de faire dodo. Non, franchement, nickel. Regardez ça. C'est une bonne densité. On nous a demandé plusieurs fois, je crois que c'est du 40 kg. C'est ça? Ah, j'ai pas envie de dire une connerie. 35 ou 40. 35 ou 40 kg, un truc comme ça, là, la densité de la mousse. On est allé chercher les coussins ce matin et ensuite nous sommes allés au magasin de bricolage. Donc je suis resté pas loin de 20 minutes dans le rayon, j'ai pris des charnières, des poignées, des trucs, des machins. Et après je me suis dit, ça va être un peu compliqué de fixer les charnières en fait au plafond, parce que le plafond c'est du 5 mm et une charnière qui est souvent sollicitée, il faut que ça tienne bien. Et si je visse ça dans du 5 mm, j'avais peur que ça tienne pas. Et puis en plus, il y avait ce problème-là. Et aussi, qu'il faut mettre un ressort pour que la porte elle, se lève et qu'elle tienne en haut. Ensuite, il faut un petit loquet quand on ferme. Et puis, il fallait des petits verrous pour pas que ça s'ouvre quand on roule, tout ça. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de choses, hein, juste pour une porte. Et j'ai décidé de garder uniquement cette porte là-bas en porte normale. Et toutes les autres portes vont être en porte coulissante, exactement comme dans Captain. Parce qu'au final, il y a juste des rails, des portes qui sont super légères et des poignées. Et en fait, ce système-là, il est super bien. Il marche super bien. Et on a dit qu'on allait continuer comme ça. Hein, voilà, on va faire ça. En plus, c'est léger, c'est pas très cher. Donc franchement, c'est beaucoup moins cher que les portes que tu voulais faire avec les charnières. Il y a une guêpe, chouchou. Ouais, là, non. Il y a une guêpe, elle est toute énervée, elle ventile. Regarde, regarde. Elle est où? Oh, putain. Oh mais t'es folle, elle est partie derrière le frigo, je vais bricoler là moi. Comment on va faire en Afrique? J'ai mon cœur, il bat 100 000 d'un coup là. J'ai essayé de me calmer, j'ai essayé de tenir mais c'est pas possible, j'arrive pas. Elle est partie. Ah oh, putain, c'est une phobie, moi j'ai une phobie des guêpes, c'est un truc de malade. Ouais mais un chat ça fait rien, ça pique pas. Mais ça pique pas, mais il va pas sauter à la gorge un chat. Une guêpe ça prévient pas, ça pique comme ça. T'as vu les petits comment ils ont gonflé avec les guêpes? Un chat ça fait rien, ça passe, tu fais une caresse, il fait rien, il ronronne, il s'en va. Non, un chat, non, une guêpe, super dangereux, tiens, c'est beaucoup de chaud là. C'est toujours Charlotte qui me sauve la vie avec les guêpes. Alors voilà, ça sera des portes coulissantes ici. Et partout là, jusque là-bas. Voilà, ben ça y est, Charlotte, elle est partie à faire sa nuit là. Moi, je reprépare tout mon matériel dehors et puis je recontinue les meubles, hein, tout simplement. Voilà, à tout à l'heure. Hé, chouchou, on met en canapé pour voir? Vas-y. Okay. Ouais, c'est pas mal. Regardez tout le bazar, il y en a partout. Non, là, c'est rangé. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas les portes. Ouais, là, après, là, on est un petit peu bas. Montre pas ici. Ouais, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est nos slip-chaussettes. Vous voyez, ici, on est un petit peu bas, en fait, au niveau du dos. Mais on ne pouvait pas rehausser. Parce que sinon, eh ben, les coussins, ce serait plus emboîtés. Donc là, on va faire une petite finition avec de la mousse. Ça restera fixe, en fait. Ça ne fera pas trop moche, je pense. On a racheté du tissu en plus pour... On a du tissu en plus pour faire ça. Pour faire le petit... Puis quand ça sera en lit, du coup, ça fera une genre de petite tête de lit, en fait. Voilà, c'est ça. Après, si vraiment ça ne va pas, on fera faire des petits saucissons carrés qu'on scratchera là-bas, au pire. Ouais, je pense. Si vraiment ça ne va pas, quoi. Ouais. Oh là 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 là, on a encore fait une après-midi de voiture. On a été d'un coup à droite, à gauche. Impossible de trouver. Du double U en PVC, vous savez, pour faire coulisser nos petits meubles. Alors je mets une matinée à me décider, une fois que je suis décidé, je trouve plus les matériaux, c'est plus galère que pendant le confinement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les magasins, on a l'impression qu'ils sont beaucoup moins livrés, et il y a plein de ruptures. Mais on a trouvé quelque chose de pas mal, je vais vous faire voir, au final, ça nous revient plus cher que des portes. Ça c'est... voilà. Mais ça va être trop beau, regardez. On a acheté ça, c'est un genre de dibon, donc c'est deux couches d'alu avec une couche de PVC à l'intérieur. Et ça fait une imitation un peu aluminium. Voilà. Vous voyez ? Nos portes, elles vont être comme ça. C'est trop bien. En même temps, il faut dire que les autres, il en restait qu'une. Elle était pas en très bon état. La noire. Ouais, on n'a pas réussi à retrouver, ouais. Il y en avait qu'une et bah, ça n'allait pas aller. Non, elle était toute rayée, celle que... Non, on n'a pas pris. Mais du bon, coup, on a vu celui-là. C'était 12 euros la plaque. Là, celle-là, on a payé 80 euros la plaque. Ouais, c'est abusé. Mais on a dit, ça va faire trop beau. Bah, il y a j'espère. Et comme on n'a pas trouvé double U, j'ai pris juste du U comme ça. Vous savez, en alu, je vais les mettre tous les deux côte à côte. Comme ça. Pour faire mes rails. Et il n'y en avait que deux. Donc là, on achète au compte-goutte. Après, c'est pas grave. Les portes, elles peuvent attendre. Hein. Si les meubles, ils sont faits, on peut déjà ranger dedans. Et voilà, quoi. Ouais.
Donc ça devrait être pas mal et voilà, on en a pris deux pour être tranquille. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh, paparazzi, vous n'avez pas le droit de filmer, il faut une autorisation, je suis une personne publique, je vous signale, je suis une star, ok? Mais je vous autorise. Mais moi j'ai l'autorisation. Ouais, mais c'est bon, je vous autorise. Ok, je peux rentrer? Ouais, ça va être vraiment, vraiment très joli. Là c'est une porte, vous avez dit que ça allait faire moderne. Le rail du haut, je l'ai collé hier. Et je colle celui du bas en dernier. Ici. Voilà, ça va donner ça. Oh, c'est trop beau. Et qui c'est qui va être contente? C'est Charlotte, parce qu'il faut qu'elle peigne en blanc avec un petit pinceau. Ouais, génial. Youhou. Tous les petits contours de bois. Trop bien. Ici, c'est fini. La haute est branchée, regardez, elle ne fonctionne pas. Et là, c'est juste un petit rangement. Tu voulais ça, je voulais te mettre une petite portelette. Et t'as dit non, je veux juste une petite butée parce que ça va être mes épices. Ouais, ça va être toutes les petites épices et tout, voilà. En trop. Donc, ça ici, c'est en train de sécher, tout est jointé, ça y est. Donc la petite partie cuisine est quasiment finie, restera à brancher. Mais ça, je vais vous dire, je vais le faire plus tard parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Déjà, ça commence à me prendre la tête, les meubles. Et j'ai envie de me mettre à l'extérieur. Voilà. Donc, je vais le brancher plus tard, gentiment, je sais pas. Et aussi, pourquoi je le branche pas maintenant? C'est parce que je sais pas où est-ce que mes panneaux solaires ils vont arriver. Niveau largeur, vous voyez ce que je veux dire? Normalement j'ai la place. Si j'ai pas la place, je mettrai un gros coude et il y aura l'extraction qui sera là-bas. Il fait chaud, hein? Ils annoncent 30 degrés. On est au mois de juillet ou quoi là? Non, et mais on n'est pas truc, dans, hein. Le sud, dans le sud, quoi. On est en train de ranger, là il est 16h et on arrête, là il fait trop chaud. On va dehors, on crame, je vais avoir des vieux coups de soleil là. Enfin bref. On va aller faire un petit tour de bécane avec Charlotte, tranquille, en amoureux, sur les routes de Saint-Pons. Enfin non, on va juste rouler un peu ici en fait. Et on finira en fin de journée, on finira et on fera ça. Vous voyez? On va faire ce meuble-là, celui-là c'est le plus rapide. En fait, j'ai commencé par le plus dur. Et moi j'aime bien toujours commencer par le plus dur. Je sais pas vous, mais j'aime bien commencer par le plus dur, comme ça après je finis par le facile, tranquille. Voilà. Chacun son truc, hein. L'important c'est de le faire. Donc ça c'est le plus simple, je fais ce meuble là, une fois qu'il est fait, je fais celui-là, et ça sera fini. Allez, nous on se prépare, et on va aller faire un tour. Voilà, on se retrouve dimanche soir pour le live, on va parler du live qu'on a passé mercredi avec Philippe. C'était sympa, il va m'apprendre comment faire des lives comme ça avec deux ou plusieurs personnes. On et en comme fera ça, on n'en fera pas tous les dimanches, mais de temps en temps on en fera et on pourra vous voir directement. Sinon... Ne partez pas, on va vous dire au revoir, mais on vous cale derrière la vidéo de présentation d'un de nos nouveaux produits qu'on va vendre sur The Vadrouilleur Shop. Je vous laisse découvrir qui c'est qui va présenter ces nouveaux produits et vous pourrez retrouver ces nouveaux produits sur la boutique The Vadrouilleur Shop, comme d'habitude. Et c'est le début d'une longue série de présentations de nouveaux produits par nos bandits. Bien entendu, c'est des produits qui sont fabriqués en France, c'est artisanal. Vous savez que vous achetez français. C'est très important pour nous. C'est ça. Allez, je vous laisse avec la vidéo de présentation. On vous fait des gros bisous. À dimanche, 19h pour le live. Gros bisous. Prenez soin de vous. À dimanche. Là, vous regardez la présentation des nouveaux produits. Bye bye. À bientôt. Salut. Bisous. Bye bye. Salut. Bisous. Faites des petits pouces, abonnez-vous, tout ça. Hein? Bye bye. Salut. Bonjour. Bonjour. Nous avons eu l'immense privilège et le plaisir de vous présenter un nouvel objet de la boutique The Vadrouilleur Shop de Charlotte. Voici les objets. Donc c'est un ensemble d'une carafe et de deux verres personnalisés. Avec une superbe police d'écriture. Moi c'est le mien, Pascal, Jeff. Et sur la carafe, il y a le logo des Vadrouilleurs. Et la police d'écriture est vraiment bien faite. C'est très joli et vraiment très bien choisi. Voilà, donc ça sera un super service pour cet été. Pour certains, peut-être la collection ou un cadeau. Mais pour nous, ça sera un super service pour boire l'anisette sans alcool avec la belle carafe d'eau. On est venu faire une petite balade de moto. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît, 2 mètres de distance. Je sais, si j'ai une tête toute écrasée, en fait, c'est trop marrant. On part faire un tour de bécane avec Chouchou. Et putain, sur la route, je dis,
Il sert vraiment et tout, ça va pas. Et en fait, c'est Charlotte qui me l'a passé, il y avait le mien à côté, elle m'a donné le sien, puis moi, le mien, il est tout bleu. Et puis, elle me donne ce casque-là, mais j'ai pas fait gaffe, et sur la roue, je dis, « Ah, ça me sert, j'arrive pas à mettre mes lunettes, tout ça, je suis pas bien, il est nul ce casque, en fait. » Et en fait, je lui ai pas ramené le bon, je lui ai ramené le mien. Ah, en fait, je suis avec le casque à Charlotte, là. C'est pour ça que ça me sert comme ça, la tête. Parce qu'on en a deux intégraux comme ça. Et on a des doses. Et on a des doses comme ça. Avec des visières. Petit bol. Et... c'est vrai, en plus, sur la route, quand tu m'as dit ça, mais ouais, bizarre, c'est là, je le vois, je fais pas tilté, en fait. Noir, mon casque, d'habitude. Il est bleu.